Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, on va se faire une petite pensée positive tous ensemble. Comme ça, on démarre bien la journée. C'est hyper important. J'espère que je vais être une des premières choses que vous voyez dès le matin, que vous ne serez pas des gens en colère. Si vous ne me regardez pas tout de suite de matin, c'est normal. Hein, genre, je ne suis pas la priorité du monde. Mais voilà, au moins, on démarre avec la journée des pensées positives, même si on a des journées de merde, même si on a des moments de merde, même si la vie est un peu compliquée parfois, différents niveaux. Hein. Il y en a par exemple, ils vont avoir du mal à finir les fins de mois, d'autres ils ont des enfants malades, d'autres ils ont perdu quelqu'un. Enfin bref, il faut penser de bon matin à quelque chose qui vous fait sourire, qui vous donne le smile. Je sais pas, ça peut être quelque chose que vous avez fait hier, un fou rire avec des copains. Ça peut être un « je t'aime » de vos enfants, au moment là où vous avez fait un truc positif qui vous fait du bien et qui vous a fait sourire et que quand vous y pensez, vous êtes content. Et voilà, et vous allez penser à ça. Et comme ça, on démarre bien la journée. Et on remercie la vie d'être debout, de pouvoir marcher, d'avoir la chance de respirer, d'avoir la chance d'être dehors, de pouvoir manger, d'avoir encore plus ou moins bonne santé. Enfin voilà, c'est important les amis. Si on démarre les journées comme ça, je vous jure que le reste de la journée, ça se passe bien. Le principal, c'est de la démarrer plein de good vibes en fait. J'essaie de dire ça parce qu'il y a des gens qui me suivent, ils me clashent, ils sont tellement frustrés. Je me dis bon, on peut peut-être leur changer leur façon de vivre, leur état d'esprit. Puis même, j'ai une communauté aussi. Et vous savez que je suis quelqu'un plein de... Moi, je suis une personne qui adore les énergies. J'adore les énergies, j'adore les pierres. J'adore la méditation, j'aime la respiration. Enfin, genre vraiment, vous savez que je suis dans un univers que j'ai trouvé il y a quelques années maintenant et je suis très contente. Je sais pas depuis combien de temps j'ai trouvé... Et bonjour! Voilà, on va aller emmener les enfants ensemble, comme tous les matins. C'est notre petite routine. Et ensuite, on va faire des petits étirements ensemble à la maison. Je l'emmène pas encore au yoga, on n'a pas encore passé le cap, mais je sais qu'on va le passer, qu'il va venir avec moi. Ouais. Et ensuite, voilà, aujourd'hui j'ai pas prévu de sport, je vais juste faire les étirements à la maison avec mon mari. J'adore mes cheveux. Non mais j'ai fait un brushing hier, je vous ai mis sur TikTok comment j'ai fait. Non mais trop beau. Et puis même les cheveux Myriam K, les produits. D'ailleurs hier je vous ai donné un code promo pour Myriam K. Les gars, je vous en donne jamais, ça fait au moins 2-3 mois que je vous en avais pas donné. Donc foncez si vous avez besoin de faire le stock pour la rentrée. Regardez-moi cette chevelure. Oh là là, quel kiff. Ils ont bien poussé mes cheveux, je sais pas si vous vous rendez compte. Attendez, je vais tourner. Regardez-moi ça. Regardez la longueur de mes cheveux. Encore là, ils sont bouclés. Trop beau. Sinon, je suis trop contente parce que le matin, on se prépare à une allure de fou. Genre, là, il est 7h15, tout le monde est prêt, les enfants sont dans la salle de jeu. Genre vraiment, tout le monde va vite, tout le monde déjeune vite, ça y est, tout le monde a pris son rythme. Le premier jour, oh, c'était terrible. Genre, personne ne voulait se lever, personne ne voulait manger, se dépêcher. Là, ça y est, on a vraiment trouvé tous un rythme, on est tous prêts, tous au top. Regarde-moi mon amour, mon chat, regarde-moi, regardez comme il est beau avec cette coupe, oh là là. Parce que hier, en fait, il était toujours mal coiffé. Je me dis, mais c'est toi qui peux mettre du cire, du gel dans tes cheveux, parce que Mylon, il faut savoir qu'il décide hein, dans sa vie. Il me dit, non, c'est pas moi, c'est pas bon. Bon, je lui dis, mais attends, pourquoi tu mets les cheveux longs, pourquoi tu mets du gel, du cire pour les cheveux courts, là, il faut plus en mettre. Et du coup, on a arrêté, et regardez comme pourquoi il est beau. Pourquoi j'ai les cheveux raides? Parce que bah, t'es comme maman. Papa, il a les cheveux un peu ondulés, maman, les cheveux. Et on a Lee Wayne. Lee Wayne, une semaine d'école. Lee Wayne, c'est qui ton crush à l'école? C'est qui que t'aimes bien? Mété. Elle ne parle que de Mété. Voilà, donc là, je vais aller à l'école et je vais aller voir qui est Mété. Et on va discuter. Voilà, parce que ça fait qu'une semaine. Ils ont même pas passé un an ensemble. Oui, je sais, tu m'en parles toute la journée. Tu l'aimes bien? Parce que tu l'aimes bien. Papa, il est ravi que tu aimes bien Mété. Hein? Ouais, écoute, je vais m'y faire. Papa. Et voilà, on s'est fait 40 minutes de yoga. Alors? Eh ben écoute, je me sens bien. Hein. Il faudrait qu'on le fasse souvent. Hein. Ça te fait du bien? Trop. Bah après, tu vas venir avec moi, la coach, elle est meilleure que moi. Parce qu'elle t'aide. Déjà bien, ouais.
Voilà, ça fait trop du bien, les amis, on peut commencer la journée. À tous les gens qui disent, ouais, le yoga, c'est pas du sport, hein, c'est rien du tout. Regardez. Regarde, 7,8 d'activité, alors que hier, j'ai fait 10 à peu près pour faire pendant une heure de paddle intense. 92% donc de muscu et 8% de cardio, c'est énorme. Voilà. Bon, pas beaucoup de calories perdues par contre. Parce que ah non, c'est que de l'étirement et de la renforcement musculaire. Du muscu et tout, c'est magnifique, 7,8. Là, je vais aller faire la boxe, ça va être ouf. Voilà, donc je suis contente, bientôt j'emmène avec moi avec les filles au yoga, on va être trop bien tous ensemble. Je vous explique, il y en a de partout, je suis sur tous les fronts. Je fais de la sauce tomate pour mettre sur mes pizzas. Donc je fais des pizzas de comme ça là. Voilà, comme ça les enfants, je vais leur mettre la sauce tomate. Après, je leur mettrai les petites tomates comme ça et du fromage et au four. Voilà, avec des herbes de Provence. Ma mixture, elle est là pour mettre par-dessus. Là, c'est un autre plat. Là, je fais pour midi revenir des courgettes et des aubergines pour mon mari et moi. Là, c'est pour faire un friand aux épinards. Voilà. Je suis sur tous les fronts. Je fais plein de plats à la fois. Ah, et là-dedans, j'ai du fenouil pour faire une salade de fenouil. J'aime bien faire tout d'un coup comme ça, je suis tranquille. Ça prend pas très longtemps, mais je préfère le faire d'un coup que ce soir en cuisiner pendant une heure et tout. Après, je suis pas avec mes enfants. Donc voilà. Putain, j'ai vraiment une bonne mine. Hein. J'ai mis mon truc là, une boîte de 15 ans, j'ai bonne mine. C'est le premier friand que je fais, épinards, et j'ai mis du fromage, bon, du vegan, mais voilà, et des petites ratatouilles. Bon appétit mon chat. Merci. Lui, il est toujours là, hein. Alors lui, c'est mon plus grand fan de cuisine, et je suis trop contente. Hein, Gasti, toi, t'es mon premier fan à la cuisine, et t'es le seul qui goûte pas. Mon vieux, comment ça va les poils blancs? Oh, le pauvre. C'est le seul qui regarde toute la journée avec beaucoup d'amour et qui goûte pas. Parce que je vous jure, il regarde toutes les étapes. Hein. Le moment là où je mets les dents, le moment là où je pose, il est là, il est là. C'est bon? Arrête. Hein. Putain, la tête qu'il est en train de faire, regardez. C'est bon? C'est incroyable. Sérieux? La vie de ma mère. Mais non. Mais la pâte, elle fait la gifle de malade, elle est trop bonne. C'est la pâte sans gluten. Ouais, sans gluten. Excellente. Sérieux?